Passe derrière pour éviter les pieds d'anti-char. J'avais oublié ce détail de l'histoire. Ok, PZ4 azimut 253. Bord de plage, il surveille. Hey, le bas! Ouais, j'entends. Grosso modo. Je peux voir ça, ouais. On s'ennuie un petit peu ici. Ouais, mais au moins on gagne. Après, si tu veux remonter, tu peux remonter, mais en soi, si on lâche le point, les mecs vont venir. Bah, c'est à dire que c'est pas comme ça que je vais être premier, moi. Ouais, je sais. Y'a que Panther. Y'a un P4 dans la planche, sur la plage qui arrive. Regarde, il était pingé. Moi, je ping juste Yak Panther. Putain, mon canon. Tu l'as eu? Y'en a un autre? J'ai pas l'air. Ok. Moi, je surveille Yak Panther, on passera à frappe d'artillerie ensemble dessus. Ok. Je te dirai quand. Ok, y'a un P4 en haut. Je suis à plus de la moitié de rechargement, bientôt aux 3 quarts. Leur logique de faire décoller les avions, mais elle est débile. Oh bah tiens, spawn killer. Y'a un mec qui a spawn kill avion. Hein? Ah ouais. Non. Je sais. Sauf qu'il est mauvais parce que le P47 qui s'est fait attaquer l'a tout de suite réagi. Et maintenant il est dans les 6 du spawn killer. C'est ridicule. Le mec est tellement mauvais qu'il est obligé de venir faire du spawn kill et il n'arrive même pas à s'en sortir. C'est quand même drôle. T'as pris ton napo anglais? Américain normalement. Les anglais sont plus compliqués. Ah. Faut agiter un sachet de thé, ça, en général ça marche. Tu vas te sachet de thé dans la 3-4, t'as un coup qui sort d'un fourré qui saute dessus, tu sais. Oh my gosh! Yes! Victory! C'est un peu cliché raciste, hein. C'est comme mais... si maintenant avec les Français ils étaient là en mode. Avec la baguette, leur fromage, baguette ouais. Voilà, et. Oh! C'est quoi ça? Un char. Ça, c'est un allié qui tire à l'AMG. Ok, énorme. Je vérifie si Jack Panzer 4 ne peut pas te tuer. En tout cas, t'avances vachement vite, toi. Bah écoute, y'a personne. Avec ta crêpe. Oh ouais, mais ta gueule, respecte un peu ma crêpe là, putain. Il est tout petit, mais il est pas... De toute façon, on va rameuter la plèbe du mois qui on va recuser, c'est capturé, donc... J'ai envie de manger un poulet rôti. T'es sérieux là? T'as vu l'arguilet, putain mec? Non mais des fois j'ai des envies comme ça qui viennent. Ouais, des envies de femme enceinte, t'inquiète pas, je connais, je sais. Toi aussi t'as déjà été enceinte? Non mais j'ai déjà eu une sale envie de sou. Genre en fait ben, je suis une chieuse. je suis un gros chieur, j'ai envie de sushi. Mais genre de ouf, je suis chien. Tu vois maintenant que t'en parles, j'ai envie de manger des sushis moi aussi. Ouais non mais parce que j'en ai parlé, mais moi toi c'est... t'as pas besoin d'en parler, genre j'en ai envie sans en parler tu vois. Ah c'est le japonais. Non c'est cette femme enceinte qui a subitement envie d'une bouffe parce que madame elle est... P4 a été détruit par... Attends. P4 a détruit Firefly. Est-ce que le Firefly ici est down? Firefly est-ce a que... pété. Si, il a pété. Putain, cet endroit de la map, je le trouve magnifique. Le reste de la map, là. Attends. Moche de ouf, quoi. C'est... Je te vois passer à fond, là. Bah, je suis à Panzer 4, hein. Je suis à 1m80, soit dit. Je suis... Un petit char. Alors attention, hop, j'enjambe ici, j'aurais pas dû faire ça. Ouf, ça se saut. Voilà, c'est pour ça que j'aurais pas dû faire ça, méfie-toi. Hein. À moi, youhou. Ah putain, ça capture C, méfie-toi. Hii. Essaie de surveiller C si tu peux ou si tu veux. Oh, je surveille pas, moi je me casse. Oh, j'ai un M10. Voilà. Tu l'as eu ou... Non, il m'a eu. Le ballon a abattu le Fogwolf. C'est hilarant. Oh là, il y a un arbre qui est tombé là.
Oui, méfie-toi du point C, 3 chars, 3 Sherman. Un qui se dirige vers la ville, la lisière de la ville, et un qui m'a eu de broadside, parce que je l'ai pas vu ni entendu. Non, par contre, t'arrêtes pas là, toi. D'un côté, il t'a sauvé la vie, quand même. Oup. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, les gars. Compliqué, non. Action, réaction. Allez, go. J'essaie de traverser, mais je vais... Non, 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 mec. Si tu veux traverser, passe par la ville. Hein. Non, mais justement, je vais traverser par la ville. Je vais traverser la rue, là, mais je vais mourir, je le sens. Oh, bordel, j'ai survécu. Je vais attaquer par Plaza du coup. Oh putain, merde, j'ai loupé mon tir. Là maintenant j'ai envie de manger du riz en salade. Mais pourquoi? Je sais pas, j'ai des envies qui viennent comme ça là, j'ai envie de manger. Du riz en salade, mec, c'est dégueu les mais salades. C'est super bon. Oh, c'est bon en été, mais en l'occurrence le riz ça se mange chaud et gluant quoi, ou alors froid. Mais... Ah, mais écoutez-le, là, c'est le japonais. Mais ta gueule, c'est ça le meilleur des riz. Toi, tu connais pas la puissance de Chungdongdai? Eh, alors par contre, ouais, j'ai envie de dire, oui, le riz, ça se mange chaud, nanana, par contre, tu manges des sushis. Ah, là, tu dis que tu fais rien. C'est pas une salade, c'est pas une vinaigrette. C'est trop bon, le riz en salade. Comme celui que j'ai mangé ce midi, putain, s'il était bon. Ah, moi, ce midi, j'ai rien mangé. Non, surtout, j'ai pas réussi à m'endormir, parce qu'on crevait tellement de chaud hier soir. Ah, putain, t'as bien la chance, hein. Putain, il caille super, il caille ouf ici. Et Kai, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir ton temps, moi? Il fait 15 degrés, arrête! Oui, c'est parce que j'aimerais avoir ton temps. Ah! Bah, 37 aujourd'hui. Putain, j'ai pas envie d'avoir 37 degrés, quoi. 37? Ouais. Mais non. Début d'après-midi jusqu'à 16h. Mon truc a dit indiqué 37, donc en soi. Est-ce qu'on défend le point C vu qu'on a B? Comme dit avant, défendre, bah, tenir, c'est mourir. Le problème c'est que si on défend, il va falloir qu'on défende des deux côtés à la fois et on est que deux. Alors, on est des pros ou quoi? Non, on est des pros. Ok, déjà avec cette mentalité ça ira pas. Putain, Artillery Fire, un hein, deuxième quoi. Pas forcément. Ça va venir hein, parce que vu qu'ils ont roulé sur notre la team. Je vois un tir. Fire. Village ici, je vois des départs de tir. Ouais, m'étonne pas. En fait, je sais pas comment elles font nos teams pour perdre quoi. C'est-à-dire quand tu les vois. Bah, les mecs qui jouent agressif, les mecs qui poussent. Non, mais je veux dire quand tu les vois déployer eux les nôtres. Ah, pour combat, bah oui, bah ça, je sais pas, oui, non. Je veux dire, tu vois leur déploiement, tu fais ouais, leur déploiement il est cool. Mais non, on arrive à se faire rouler dessus. Oula, c'est un avion là. Il m'a poussé. Je vois, j'entends un moteur d'avion. À droite, à droite, à droite, ça arrive à droite. A gauche pour toi, il est juste derrière la maison. Oh, je vois, c'est un Cromwell. Hits. Vas-y. Engine. Ah bah. Putain. Dans mon dos. Bah, j'ai fait un. En fait, toi t'as pris un M4 et moi j'ai pris un Firefly. Voilà. Je vais attaquer la ville, moi. Moi je décolle en avion. J'ai envie de. Je sais pas. Toqué en fait sur la trappe de nos alliés. Leur demander est-ce qu'ils ont une unité de comtac. Unité radio. Est-ce qu'ils ont aussi un cerveau. Est-ce que tu commences à comprendre mon ressenti de pourquoi je veux faire des tests de QI maintenant? Ouais, non mais c'est vrai que. Là... Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Non mais surtout que en fait. Ce qui me fait marrer c'est que. Les alliés en fait. Ils ont la chance d'avoir des joueurs qui savent se débrouiller. Parce que ce que j'ai l'impression, c'est que les joueurs qui jouent allemand, c'est « Ouais, de toute façon, on a des chars allemands, on est trop puissants !» C'est ça. Mais ça me rappelle le souci qu'il y avait eu au moment où je l'ai quitté. Quand t'avais les panthères qui pounçaient tout, t'avais les mecs qui étaient joués russes, ont joué panthères. Et qui rushaient comme des vieux sacs. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on joue un panthère. Mais ça me semblait, il y a un char ici. Putain, une map comme... Ah, le Luna. Dédé. Qu'est-ce qu'il a, mon char, là? Il est vraiment moche. Arrête, je suis rose, je suis trop beau en rose. Putain. J'essaie même d'essayer de faire quelque chose d'historique avec mon optique, mais bon, ça passe pas, quoi.
J'ai essayé de faire l'effort en plus. Hein. Allez, moi je suis un fou. Putain, mais c'est vrai qu'il est moche quand même. Ah, c'est cool de le remarquer. Non, mais t'es dégueulasse. Wow! Ouais, t'as failli en prendre un là. Non, pas moi. Eh merde, y'avait un choc qui est passé. Ne poussez pas derrière! Putain d'abruti! Attends, faut que j'avance parce qu'il y a des PD. On a juste un sur ta gauche. Ah bordel! Mais t'es fou toi! Avance, vite! Bah, fait me non, derrière notre Cromwell, à notre T34. La droite, aïe! Non damage, putain, le mec il m'est rentré dedans quoi, abruti! Non mais il m'a rentré dedans aussi! Ch'touki est mort. Il a payé pour les autres. Il n'y a pas qu'un chou. Il y a plein. Ouais, le sais. Putain, Roger. Putain, le T34 quoi. Il y a. Fonçant tellement un moulin. Lunard. Roulez à fond. Et va bientôt rencontrer un T34 et va rager. C'est de venir te filer un coup de main. Non, il ne croise toujours pas de T34, mais ça ne serait tardé. Genre ici. Non, il n'en avait pas encore croisé. Mais c'est parce que le destin aimait bien jouer avec Lunard, lui donner un peu d'espoir, enfin de lui donner un peu plus confiance, et paf, arriver comme ça par derrière, et paf, dans la nuque, paf. Tu veux que je te file un support aérien ou... Bah écoute, là je fais le tour, je me dis que je vais croiser personne et je vais me prendre un obus, hein, c'est... Bah logique. C'est le grand classique. Alors là, actuellement, nous sommes en train de bientôt assister à un truc du genre Lunard est persuadé d'arriver sur le flanc de quelqu'un et lui faire une grosse surprise, sauf qu'il va bizarrement l'attendre. Donc là, pour l'instant, c'est la scène où le Lunard est confiant, il se dit qu'il n'y a personne autour de lui, puis il va tomber sur quelqu'un. Alors, en parlant, je vois personne, surtout devant toi, Kia. Fais gaffe, hein, il y a genre du monde. Ouais bah justement, je vais leur faire coucou, paf, leur tirer dessus, leur tirer deux obus. Oh putain. Et mourir. Ah, fils de pute là. Ça va, c'est un 109, il fait son taf. Non, c'est le mec que j'ai eu avec le Vega, il a une bombe. 109, ça va, ça passe. Oh putain, je vais respawn juste devant l'ennemi, super. Commandant seulement. Battle s'il te plaît. Oh la vache. Mais comment ça target un... Eh, j'ai un Firefly ou j'ai un Quimol là? Non, damage, c'est un camion. Hit, ok. Bon ça va, y'a un canon un peu plus gros qui se pointe là. C'est bon. Oh, c'est Sky qui l'a eu. Là ça rentre, c'est l'endroit le plus blindé quoi, bien sûr le jeu. Bah tu sais j'ai tapé sous le canon moi. Ah bah moi j'ai tapé sous le canon, tu le vois, hein, j'ai tapé sous le canon, j'ai tapé l'arrondi, j'ai tapé sur le canon, j'ai tapé le flanc, j'ai dû taper sur la putain de... Ah mais t'as pas encore les obus Mark 8? Si si. Ah bah alors c'est très étrange. Bah oui, pour ça. Un tigre, je te le perds sans problème là par contre. Le KV1 est en mode non. Oui, mais. Enfin, Sky, le Russian BS n'existe pas. Non, bah non, oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais oublié. Attention à ta gauche, hein, parce que là, t'as l'air de rusher un peu en mode Leroy. C'est vraiment, l'Avenger, je le. Ouais, j'ai quand même eu un sale frisson. L'Avenger, c'est. À cause du caillou quoi. L'Avenger, je le maîtrise très bien. Il y en a plein qui disent que c'est une grosse merde et pourtant, moi, je l'adore. Ah, hostile capture la base, ok. Ok, toi tu reviens là-bas, c'est cool. Je vais faire demi-tour dès que je pourrais. Tiens, dans ta gueule, ça FTP. Prends un coup de main à la base. Ou ça va? Y a encore un gars, ouais. Bah écoute, je répare, j'arrive. Non, mais t'auras pas le temps, tu vas être trop lent. Soukabliette. Voilà. Toi tu l'as eu. Putain t'es premier salopard. 6 kills. Bah, j'ai sorti l'avion aussi hein. Non mais t'as fait 6 kills. Ah bon. Ah bon.
Je on a fait 3-4, pas plus, dans ce sens. Ah là là, rien de mieux que les britanniques. Oh bordel de caca de chiottes de... Oh merde, c'est un tigre. Ah bah je suis mort. Oh merde, c'est un tigre. Oh bah... Non mais c'est parce qu'en fait j'ai eu le temps de tirer avant lui, mais j'ai rebondi sur sa jupe avant, puis j'ai tapé la boîte aux lettres, c'est-à-dire le truc totalement ne pas à faire. Le tigre, je vois. Vas-y, vas-y. Hein. J'ai peut-être loupé. Ah non. Non, joli. Donc il reste le Jack Panzer. Jack Panzer 4. Ouais. Si, je sais pas du tout où il est. Putain, il s'est smoke le fils de. Il a respawn, hein, le tigre. En tant que ça tire, mais plutôt. Putain, on est. Ce côté des nains, par contre, je sais pas du tout où est le Jack Panzer. Je vais faire un passage. Ok. Il y en a un là. Visez à les rochers. Okay. Collé à la falaise et à des rochers. C'est lié avec Panzer 4 justement. J'ai pas de traceur malheureusement, mais je vais refaire un passage au cas où. Tu l'as vu ou pas? Oui, je suis mort. Merde. Oh j'ai eu. Oh bien joué. Bon, t'as 8 kills. Moi je dis, risque pas ton argent et ton avion, hein. Reste en l'air ou faire ton aérodrome. Soit l'argent, je m'en bats les couilles, mais ça me saoule. T'as les roquettes là maintenant, elle va pas toucher quand on est en train de perdre. Ah non. Un classique. Ah putain, il y retourne. Ah ouais. Sky kill le hargneux. Ah mais grave, je laisse pas partir comme ça, moi je suis là. Certes, ça fait chier qu'on l'ait perdu, mais c'était une belle bataille. Oui, c'est une belle bataille, mais c'est que tu sais les couilles là. L'autre, je le bute une fois, après il me focus, quoi. C'est bon, gamin, change, je passe à autre chose dans ta vie. Je sais pas, ta mère elle t'a pas assez bercé ou quoi? Oh, c'est ce que j'ai attention fait. Que. En soi, c'est ce que j'ai fait au tigre, il m'a tué, je suis revenu avec des bombes. Hein. Ensuite, alors, hop. On va voir ce que j'ai gagné histoire de dire que c'est de la merde. J'ai gagné un emblème, l'emblème que t'as sur tes chars, toi. Ça va, blason blanc, croix rouge, machin avec l'emblème.